Nous sommes autour de la table pour ce petit hors-série enregistré en complément de ce numéro consacré aux conditions de travail dans les industries artistiques. Nous recevons Marc-Antoine Boisdin. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Très bien. Un peu fatigué par le festival d'Angoulême, mais je me remets petit à petit. Bien dans le micro. Pardon, je me remets difficilement du festival d'Angoulême, mais petit à petit ça vient et voilà, la forme revient. Ben, on en est ravis. On est autour de la table avec Florent et Aurélie. Salut. Salut Karel. Comment ça va? Je t'en prie. Bah non, honneur aux dames. Bah ça va très bien. Bah moi c'est pareil, ça va très bien aussi. Hein. Nickel, nickel. On est là pour parler des conditions de travail dans l'industrie de la bande dessinée. Pour rappel des faits, au Festival d'Angoulême, on a assisté à la manifestation du collectif artistes et auteurs pour une meilleure rémunération des auteurs dans l'industrie de la bande dessinée. Des auteurs et des autrices. Des auteurs et des autrices, pardon, désolé. Hein, Marco Prince en plus l'a rappelé ouais. Sur scène. Oui. On a quelques chiffres peut-être à donner pour commencer. Pour la paupérisation des auteurs pour, oui. Oui, il y a quelques chiffres rapidement. En 2013, il y avait 53% des auteurs et des autrices en dessous du SMIC, 36% en dessous du seuil de pauvreté, et encore plus chez les autrices, comme c'est dans beaucoup de secteurs. Et puis à ça, on peut dire qu'on peut rajouter à la liste en dessous du seuil de pauvreté 2% par année, ce qui fait qu'en 2020, il y en aura probablement 50%, sans compter toutes les réformes. Se sont ajoutés en plus, donc c'est pas la fête. Niveau réforme, on avait eu une réforme de la CSG en automne, où vous avez déjà le secteur de la bande dessinée s'est mobilisé. Est-ce que ça a permis de resserrer les rangs entre vous? Et en fait, des mobilisations, il y en a eu plusieurs, ça fait quelques années. Moi qui suis au SNAC depuis 7 ans, le SNAC BD a 10 ans. Le SNAC, c'est plusieurs groupements. Il y a le groupement BD qui a 10 ans, mais le SNAC en lui-même, qui est un syndicat national des auteurs-compositeurs, il a 70 ans. Et donc, depuis, il y a plusieurs combats qu'a mené la BD, et notamment la CG qui est un des derniers. Mais il y a aussi, évidemment, il y a eu les réformes des retraites, il y a eu plusieurs choses comme ça. Mm-hmm. Et effectivement, c'est toujours pareil, la mobilisation mobilise. Donc plus les auteurs se sentent impliqués, plus ils s'impliquent. Florent, tu voulais rebondir? Oui, parce que moi j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans Le Monde, où on voyait que le monde de la BD, enfin que les chiffres d'affaires des maisons d'édition étaient toujours en hausse encore, qu'il y avait encore de plus de BD qui paraissaient, ça faisait plus de gains et tout. Mais ça vient d'où vient alors le fait, parce que moi personnellement je trouve qu'il y a de plus en plus de BD qui arrivent en rayon. Je pense qu'il faut dissocier le succès de la bande dessinée des ventes de bande dessinée et la création de la bande dessinée. C'est-à-dire que pour ce qui est des ventes de bande dessinée, c'est le volume global qui est plus important. Le problème, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait 800 titres. Maintenant, il y en a 5000 de proposés par an. Ce qui fait plus de 10 par jour. Ce qui fait que par titre, en fait, ça réduit le nombre de ventes. Et en fait, l'artiste, lui, vit par son titre. Donc, comme c'était plus ou moins indexé sur le nombre de ventes, évidemment que ce qu'on lui propose a tendance à baisser aussi. Donc en général, les revenus de la création des auteurs baissent, ou des autrices, mais par contre, le volume global a augmenté, donc plus de chiffres, sans compter les phénomènes aussi Astérix là-dedans, qui finalement arrive avec 2 millions d'exemplaires. Mais donc en gros, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde en fait pour simplifier le truc, s'il y a des gens qui, s'il y a de plus en plus de titres qui paraissent et les gens gagnent de moins en moins, c'est qu'il y a trop de création entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que j'aime la création, mais en gros le marché peut pas englober, peut permettre à tous les créateurs de vivre correctement. Le paradoxe, c'est qu'à la fois la BD c'est un métier et c'est pas un métier. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent faire qu'un album et puis avoir un métier à côté, ce qui est relativement rare dans notre métier, puisqu'effectivement il y a une récente étude des états généraux de la BD qui est sortie, qui stipule qu'en fait la bande dessinée, ça nous prend 7 à 8 heures par jour. Donc effectivement, difficilement faire un métier à côté, quoi. C'est un métier à part entière. Ou alors on dort pas. Voilà, ou alors on dort pas, ce qui peut être aussi une option, que certains et certaines sont obligés de choisir d'ailleurs, mais qui n'est pas idéal. Donc en fait, le truc c'est qu'il faut... Il faut arriver à concilier ce côté création avec l'édition. Mais à un moment donné, le discours des éditeurs, c'est oui, la création, ce qui est important, c'est la diversité. Oui, certes,
tout le monde est pour la diversité. Nous sommes tous ici autour de la table, je pense, pour la diversité. Le problème, je pense qu'il y a quand même une responsabilité de l'éditeur à mettre, pouvoir mettre en avant un titre ou pas, c'est-à-dire pouvoir le défendre. Parce que s'il y a 5000 titres, il est évident que l'existence de chaque titre va être très compromise, comme je l'ai expliqué quelques temps, quelques minutes auparavant. Quoi. Donc c'est ça un peu la problématique. Après, c'est pas nous, les auteurs, qui décidons de la politique éditoriale, c'est les éditeurs. Donc voilà, comme il y a un système de concurrence qui s'est mis en place aussi, chacun veut pouvoir être exposé dans les librairies, avoir le plus de métrages possible, les nouveautés qui sont exposées en librairie. Donc il va faire en sorte d'avoir un roulement conséquent. Aurélie, tu voulais rebondir ? Oui, parce que justement sur cette idée d'une création artistique qui serait peut-être trop, même si évidemment c'est la faute, on va dire, des éditeurs aussi qui demandent trop. Mais parce que donc nous, on était à Angoulême avec Karel et Sébastien la semaine dernière. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs et j'en connaissais déjà. Mais là, c'est pour pouvoir vraiment prendre la température du milieu actuel. Et c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatalité, que j'ai discuté avec des auteurs, que ça, on va dire, que ça choquait pas d'avoir qu'un RSA pour vivre par mois. Et qui était un peu dans le sens, c'est comme ça, en même temps, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, donc, bah, c'est toujours le problème, c'est le métier passion. Oui. Donc on dit c'est une passion, donc tu vas pas te plaindre en plus de ta situation. Oui. Donc soi-même, on arrive finalement à se dire que c'est ma passion, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Je mange des patates et des pâtes, mais bon, moi je fais ma passion. Ça peut être il peut y avoir cette tendance-là. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a... l'activité d'auteur est quand même en train de muter, en train de se transformer. Et maintenant, on peut et on doit, pour vivre, cumuler différents métiers, en fait. Enfin, métiers, en restant dans la bande dessinée, mais différentes activités, plutôt, pour être précis. Parce que métier, non, justement, oui, nous, par exemple, métier, c'est la bande dessinée. C'est rare de voir des coloristes qui font que ça. Maintenant, souvent, le dessinateur, moi, je vois beaucoup de dessinateurs qui vont aussi colorier parce que... Moi-même, je suis un exemple, je suis auteur de bande dessinée, j'ai plutôt des conditions correctes avec mes contrats, vous imaginez bien que je peux les négocier. Mais par contre, je travaille aussi dans le jeu vidéo, je suis du storyboard de teaser, je travaille comme illustrateur, je travaille dans l'animation, il m'est arrivé de faire des caractères design, des choses comme ça. En tant que dessinateur, on est obligé de toucher à tout. Mais l'activité principale reste quand même la bande dessinée. Après, il y a d'autres activités annexe à l'activité de bande dessinée, d'auteur de bande dessinée, comme les dédicaces par exemple, ou la présence en festival, que nous en tant que syndicat, on revendique comme étant une activité professionnelle, et donc qui doit être rémunérée, qui ne l'est pas du tout actuellement, par exemple. Il y a d'autres choses, il y a les ventes d'originaux, il y a potentiellement au moins ce qu'on appelle les revenus accessoires, c'est-à-dire faire des ateliers, faire des animations. Tout ça, en fait, doit être réétudié un petit peu. J'espère que ça sera, parce qu'il y a une mission qui a été commandée par la ministre de la Culture pour étudier tout ça. J'espère qu'on va avoir un dialogue franc, un dialogue qui va aboutir sur ce genre de solution, c'est-à-dire de monter, de pouvoir faire un maximum d'activités pour les auteurs, qu'elles soient rémunérées et qu'enfin on puisse dire qu'on vit de la bande dessinée, qu'on ne soit pas obligé de faire des activités qui nous prennent trop de temps par rapport à la bande dessinée qui demande un temps 7-8 heures par jour. Justement, on parle du ministère de la Culture. Est-ce que, de par son parcours dans l'édition, Françoise Nyssen est peut-être plus sensible à vos problématiques ? Est-ce que, où en sont les relations avec le gouvernement en ce moment ? Concrètement, en tant que syndicaliste, j'ai envie de dire, j'ai vu la ministre, je lui ai discuté 2 minutes avec elle juste avant un déjeuner. Globalement, nous, on a finalement nos interlocuteurs sont des gens du cabinet. Du ministère et sont approximativement toujours les mêmes gens. Après, il y a des directives qui sont lancées par tel ou tel ministre, tel gouvernement en fonction de la sensibilité politique de chacun et des projets. Mais c'est une éditrice. Ça peut être à la fois, on peut considérer ça comme étant positif, comme on peut considérer comme étant négatif. Parce que justement, il peut y avoir parfois une dichotomie ou une opposition entre la création et, comme j'ai expliqué plus ou moins, et l'édition. Bon, là, elle a l'air de vouloir lancer des choses. Ça fait longtemps que les éditeurs essayent de revendiquer des choses et enfin ça commence un petit peu à passer et qu'il y a visiblement des choses qui vont pouvoir être entreprises, en tout cas on l'espère. Oui, Florent, pardon. Ouais, je voulais juste, je veux peut-être un peu me faire l'avocat du diable, j'aime pas ce terme, mais un peu ça. Est-ce que, comment je vais formuler ça, en disant tout simplement peut-être, c'est un peu comme dans tous les métiers d'art, de culture, il y a... Comme disait Aurélie, il y a peu d'appelés, enfin il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, voilà.
Est-ce que tout simplement, en fait, enfin, j'arrive pas à me dire que on peut revendiquer le fait que, certes, la création artistique a besoin d'être d'être soutenue en France, mais j'arrive pas à me dire qu'on peut soutenir le fait qu'une personne gagne pas assez correctement sa vie quand elle fait quelque chose d'artistique et de commercial. Si elle ne gagne pas assez bien sa vie, pour moi, c'est qu'aussi ce qu'elle fait ne plaît pas. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a plus parce de, qu'il y a plus de direction avec il y a une notion de droit d'auteur. Il y a des droits d'auteur qui bien sont sûr, touchés par les auteurs et les artistes sur leur travail. Mais on peut nuancer quand même. Oui. On peut nuancer quand même parce que si oui, c'est vrai que c'est indexé sur le succès ou non. Mm-hmm. Faut pas, si c'est que le succès, il me semble que si on indexe l'existence ou non des artistes que sur leur succès, eh ben on va passer à côté de chef-d'œuvre potentiellement. Là-dessus, on est donc c'est d'accord. Pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait une politique culturelle. Qui soit développé, qui protège les artistes, mais effectivement, de toute façon, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Il y aura toujours plus, enfin, c'est pas déconnecté de la réalité de l'industrie. Plus il y aura de succès, plus il y aura d'aisance pour ceux qui ont de succès, et inversement, moins d'être succès, plus ça sera difficile. Mais il y a quand même, je pense, possibilité d'améliorer les choses. Pour les plus paupérisés d'entre nous, les auteurs et les autrices. D'accord, j'amène juste, je finis là-dessus, mm-hmm. mais je voudrais savoir un peu, parce que le BD je connais un petit peu, mais pas vraiment l'édition. Est-ce que c'est un peu comme dans la musique, les maisons d'édition servent de l'argent qu'elles gagnent sur des grosses ventes et des gros succès pour encourager des plus petits oui, auteurs est-ce que ça redescend bien voilà, le alors, terme en cascade je suis peut-être pas la meilleure personne pour oui enfin en tout cas c'est l'idée quand même globale mmh. c'est effectivement quand il y a une grosse vente ça sert de parce que ce qui se passe en bande dessinée on a des avances qui sont plus ou moins indexées sur nos ventes mais encore que c'est pas totalement indexé puisqu'elles sont pas remboursables ces avances mmh. l'auteur qui touche ne rembourse pas si c'était le cas s'il fallait rembourser vu les ventes ridicule pour beaucoup d'entre nous, c'est juste on ne ferait pas ce métier du tout, on changerait de métier. À ce moment-là, ce serait toute l'industrie qui serait en danger. Mmh. Donc il y a ce juste équilibre à trouver, et en ce qui concerne effectivement, c'est évidemment, en lien. Quoi, alors tout à l'heure, on disait que oui, si on indexe uniquement sur le succès, on passe à côté de chef-d'œuvre. Enfin, on voit ça dans le cinéma, je sais pas, je pense à Blade Runner qui a fait un bide, enfin relatif, ouais. Mais un bide quand même, par exemple. Et qui a influencé une génération entière de créateurs. À ton échelle, tu as identifié peut-être des problématiques similaires dans d'autres industries artistiques? Je pense que tu as travaillé dans le jeu vidéo, par exemple. Ouais, j'ai travaillé en fait dans le jeu vidéo, mais dans le secteur mm-hmm. du teaser, ce qui est un peu d'accord. différent. Mm-hmm. J'ai travaillé pour des boîtes qui travaillaient pour des boîtes de jeux vidéo. D'accord. En l'occurrence, donc c'est un peu différent. Les problématiques de création, je pense qu'on les retrouve, des créateurs, on les retrouve un peu partout. Je crois mm-hmm. que c'est pour ça que vous faites une émission, si j'ai bien compris mm-hmm. sur cette thématique-là. Il y a bien une raison, effectivement. Aurélie ? Moi, je voulais demander, justement, pour rebondir un peu là-dessus, est-ce qu'au final, la solution, ça serait pas de se débarrasser des éditeurs et donc de passer par l'autofinancement, par le crowdfunding ? On voit, par exemple, la dessinatrice Laurel, qui a fait sa bande dessinée comme convenu, et donc il a fait via le financement participatif. Mm-hmm. Et parce qu'elle disait que sinon, elle aurait peut-être pas pu la publier, en fait. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est super impressionnant, les succès. Il y a quelques succès comme ça qui sont effectivement mis en exergue. Mm-hmm. Mais Laurel, elle a travaillé 10 ans sa communauté. Oui, ouais. Et moi j'ai rapporté ça, elle a gagné même pas un SMIC. Hein. Si on rapporte le nombre de temps qu'elle a travaillé, elle parlait de 2 heures par jour. Donc finalement en fait, son succès est très relatif. C'est relatif justement au fait qu'elle a travaillé sa communauté pendant longtemps. Le problème c'est que est-ce qu'on veut que les créateurs soient des chefs d'entreprise qui gèrent leur clientèle, qui gèrent leur album, qui gèrent la diffusion? Moi je suis pas convaincu de ça. Je pense que ça peut être, pour ceux qui veulent le faire, qu'ils puissent le faire. À ce moment-là, réfléchir au statut pour les auteurs en autopublication. Mais je pense aussi qu'on a aussi, de cette manière, besoin des éditeurs qui permet aussi de dégager pour les auteurs le temps à la création. Mais sauf que si la chose n'est pas équilibrée, l'éditeur ne reverse pas la valeur, un pourcentage conséquent, ce qui risque de se passer, c'est que voilà, les auteurs vont se retrouver bloqués et vont naturellement, ce qui se passe déjà, partir vers l'auto-édition parce qu'ils se disent mais attendez, vous confisquez ces droits là, ces droits, mais moi il me reste plus rien, donc autant que je fasse tout seul. Et c'est entre guillemets, en partie, ce qui explique ce
décrochage vers le crowdfunding, je pense. Oui, même beaucoup de, d'auteurs qui vont passer par les fanzines. D'abord parce que pour avoir ouais, quand même historiquement un... même. Hein. Oui, oui, mais, oui, mais sans forcément parler genre même du, ouais. de la situation actuelle, mais pour faire du contenu déjà qui sera peut-être pas publié. Ouais. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses, même on le retrouve déjà au Japon avec les doujinshi. Mmh. Et donc et en plus, bah, se donner une plateforme. Il s'est passé un truc, c'est vrai que c'est important, parce que ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à ça. C'est qu'avant, il y avait les journaux de BD. Donc un jeune auteur, il avait l'occasion de s'entraîner, entre guillemets, de produire de la bande dessinée. Et puis un jour, pour le féliciter, parce qu'il avait des lecteurs qui réclamaient sa BD dans le journal et tout ça, là on se rapproche du truc par rapport au succès de l'idée, c'est que il avait son album. Voilà, ça s'est transformé. Maintenant, c'est une économie d'albums. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de journaux qui reviennent un petit peu par l'intermédiaire du numérique, mais vraiment à la marge. C'est pas du tout des succès commerciaux. Le numérique, c'est super, mais les succès commerciaux en numérique sont finalement encore relativement rares. On assiste quand même à un petit mouvement au niveau de notamment tout ce qui est webcomic. Alors c'est plutôt au Japon ça, avec on prend l'exemple de One sur One Punch Man qui est un peu une success story qui va peut-être inspirer un mouvement de fond, mais il y a énormément d'éditeurs au Japon qui... Et la Corée. Et la Corée. Il y en a en France aussi, je peux t'en citer en France. Bah, on a, moi j'avais l'exemple en tête de Maliki par exemple. Oui, il y a la petite pelle aussi qui... Mais à chaque fois, on en parlait tout à l'heure en off, c'est à chaque fois c'est associé avec d'autres médias. C'est pas que des... Et t'as un super article sur la BD numérique que je suis en train d'écrire et qui arrive. Qui est dans le pipe, ah oui. Il arrive. Donc moi ça me fait rebondir un peu justement, est-ce que les solutions sont pas un peu transmédia, j'ai envie de dire, peut-être en s'associant avec des gens qui font aussi de la série, des gens qui font aussi de la littérature ou des jeux vidéo, enfin des médias internet ou pas Si, bah à titre personnel, on en parlait aussi, je fais ma petite expérience d'auteur. On parlait Twitch, effectivement, diffuse. On en parlait en off, sur Twitch Créative, moi je m'exerce parce aussi avec ma casquette syndicale quelque part, pour voir un petit peu ce qui est possible pour les auteurs. Effectivement, il y a des voies d'exploration qui sont assez fabuleuses, enfin vraiment intéressantes. Après Twitch, on n'est pas non plus naïf. Enfin c'est comme le Facebook, c'est des groupes. Si jamais ils ont un monopole et après ils décident de fermer les portes, bah voilà, c'est très compliqué. Donc très compliqué pour les auteurs de s'en servir, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a d'autres plateformes, mais c'est le principe du monopole. On donne accès à pas mal de choses et un jour on ferme les portes parce qu'on a le monopole et là ça devient compliqué de s'en sortir. Mais évidemment que ce que j'expliquais en substance d'ailleurs, nous, on a tendance à faire des métiers un peu transversaux de toute façon, à travailler un peu à droite, à gauche sur des secteurs. Et c'est vrai que c'est un peu la tendance. Après, je pense qu'il faut, il faut étudier chaque chose, essayer de trouver... pour chacun aussi la manière la plus exaltante, j'ai envie de dire, pour chacun de s'en sortir, mais de gagner sa vie quoi. Alors on se dirige vers la fin de cet entretien, j'avais une petite question pour revenir à Angoulême. Lors de la remise des fauves pour au moment de l'ouverture, Stéphane Beaujean a annoncé que le festival... Qui est Stéphane cas, Beaujean Stéphane Beaujean, pardon, c'est le président du festival d'Angoulême, ouais. Merci de me de préciser, a spécifié, voilà, enfin en tout cas a formulé le souhait de mettre davantage les auteurs au centre des prochaines éditions du festival, et y compris la question de leur rémunération. Est-ce que, selon toi, ça relève plus d'un vœu pieux ou d'une vraie prise de conscience ? Il y a une vraie évolution sur ce festival. Il y a eu une création de l'association qui s'appelle l'ADBDA, où il y a tous les acteurs du festival qui sont rassemblés, ce qui n'existait pas avant, depuis un an maintenant. Et puis, il y a aussi de la part de 9e Art, il y a eu une évolution sur la prise de conscience. C'est un festival, hélas, qui est assez mal aimé des auteurs, parce que très longtemps, ils ont été écartés, en fait. Ils sont remis au centre, remettre au centre. Il y a aussi cette histoire d'espace d'auteurs, de café des auteurs qu'on a défendu, qui est presque symbolique, mais qui est dans la cour de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Tout ça est symbolique, mais important. Le symbolique, il ne faut pas le négliger, je pense. Et qu'on en a fait un certain nombre de tables rondes, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le YouTube du Snack BD, où il y a Maliki notamment et Boulet aussi qui sont venus discuter de l'avenir du métier, justement, un sujet dont on est en train plus ou moins de parler là. Donc il y a une prise de conscience du festival de remettre l'auteur au centre. Évidemment, le point ultime, c'est la rémunération des auteurs, de la présence des auteurs pendant le festival. C'est pas une masse à faire parce qu'il y a quand même 2000 auteurs invités. Donc il y a une réflexion qui va s'entamer là, parce qu'il y a des réunions qui vont se lancer justement de cette association là où on va pouvoir discuter de tout ça, essayer de trouver la manière dont on va pouvoir mettre ça en place. Mais oui,
il y a vœux pieux, ça n'appartient pas que à 9e art d'ailleurs, ça appartient à l'ensemble des acteurs. Et j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, parce que on est là aussi pour cette réflexion là. Enfin, le syndicat des auteurs est là pour ça, quoi, aussi, quoi. Pour essayer de faire évoluer la multi-activité, pluriactivité des auteurs, qui est d'ailleurs aussi un sujet de table ronde. Et pour finir, est-ce que vous aviez encore des questions ? Moi, j'ai juste une petite dernière question qu'on n'a pas abordée, mais vous, dans le syndicat, quelles seraient vos propositions ou vos réponses aux problématiques qu'on a évoquées dans cette émission ? On a une qui est assez claire, qui est sur la rémunération de la présence des auteurs en dédicace. On a aussi, on voudrait lancer, et c'est le cas avec le ministère, une réflexion sur le statut de l'auteur de bande dessinée. Comment, plutôt que d'attaquer par des multiples réformes, comment pouvoir le consolider au contraire, comment allier le politique avec le côté industrie. Enfin, il y a toute une réflexion qui a mené. Et puis après, il y a la réflexion aussi sur les originaux, les festivals en général. Et puis évidemment, tout ça touche en substance à la rémunération des auteurs en général, c'est-à-dire au pourcentage avec un éditeur. Est-ce que on se base que... Enfin, je lance presque des questions. Mais est-ce qu'il faut se baser uniquement sur les droits d'auteur? Est-ce qu'il faut rémunérer le temps de travail? Comment on s'organise, comment on peut, enfin, on est ouvert au dialogue, et j'espère que les éditeurs aussi, a priori, ne sont pas contre discuter, puisque le nouveau président du groupe BD, Moïse Kissous, est venu notamment, encore une fois, à une des tables rondes, discuter en off, enfin, sur le côté du plateau. Donc, bref, en tout cas, oui, nous, en tête, c'est la rémunération, évidemment, des auteurs, et pour l'instant, puisqu'on est dans l'actualité du festival, l'amélioration des auteurs en présence de festivals et de salons. D'accord. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui veulent se lancer dans la bande dessinée ? Ne te lance pas. C'est ça. Non, ouais, c'est, la réponse est plus facile. C'est... Non. Toi, on dit la même chose à ceux qui veulent se lancer dans le journalisme jeux vidéo. Donc mais c'est vrai qu'il n'y a pas de secteur simple, de toute façon. Non. Dessiner, quoi. C'est pour ceux qui veulent faire ça. C'est s'ils sont scénaristes ou ça. Moi, j'ai pas vraiment de conseils, en fait. Juste essayer de choper des éditeurs, essayer de dessiner continuellement, soyez curieux. Enfin, des trucs un peu bateaux. Je suis désolé, mais ou venez me voir. Non, par des choses concrètes. C'est peut-être tout bête à dire, mais c'est un peu la même chose à dire que dans tous les métiers passion, c'est persévère. C'est vraiment ce que tu veux faire, persévère là-dedans. Tu vas galérer, mais un jour, on ne sait jamais. J'ai connu des portes fermées non-stop. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Antoine Boivin. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Merci Florent. Maintenant, je rends l'antenne à mon moi du futur en compagnie d'Yvan Godet. On se fera un plaisir de rebondir sur cet entretien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.